Ben bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Chazak ou Baruch. Alors, ben écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. On va démarrer le cours sur la paracha de. La paracha de 3, 4, 5. Alors, la paracha de Bechukotai. Alors, c'est marqué Im Bechukotai Telechu. Au début de la paracha, c'est écrit si vous allez dans mes lois. Mechukot, c'est des chukot, c'est des lois irrationnelles. Vet mitzvotai tishmoru, et vous gardez mes mitzvot, va citer motam, et vous les pratiquez. Et Hachem nous promet des brachot. Oui, des brachot, datatigish pechem beitam. Ça veut dire que si on fait des mitzvot, alors on a le droit à des brachot. Est-ce qu'on avait besoin d'aller chercher des brachot ailleurs, si ce n'est dans les mitzvot? Je vais y arriver. En fait, en général, on cherche des brachot, on va demander des brachot à des tzadikim, c'est très très bien, bien sûr. Hein. Mais en fait, la bracha, elle est où? Elle est dans la mitzvah. Mais c'est quoi la bracha? À quoi elle sert la bracha? À quoi ça sert? Hein? À nous? À quoi ça sert? La bracha, c'est de dire, par exemple... La bracha, c'est du... Oui, j'ai compris, mais ça veut dire, par exemple, vous dites, on a travaillé pendant 6 ans, on avait dit la semaine dernière. Hein? Mais à quoi ça sert? Pourquoi faire? Vous avez besoin? Baruch ata Adonai, Yehoni Melech Olam, Shakon Yamit Varo. Est-ce que vous faites des mitzvot pour qu'il pleuve? Absolument. Hein, c'est ça. Ou alors vous faites des mitzvot pour vous accomplir, pour vous réaliser, pour le Olam Haba, pour... En vérité, écoutez-moi bien. On demande des brachot à Hachem, c'est pourquoi j'ai besoin de plus. Parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire mes mitzvot, je n'ai pas le temps d'étudier la Torah, je n'ai pas le temps de dada. En fait, la bracha qu'on demande à Hachem, c'est de libérer du temps pour faire autre chose. Parce que vous n'avez pas le temps. Vous avez occupé de vos enfants, vous vous occupez de la cuisine, de recevoir votre mari, il faut avec le sourire, sinon ça ne va pas, etc. etc. Donc, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'étudier, j'ai pas le temps de me construire, j'ai pas le temps de me cultiver, j'ai pas le temps d'avoir des irachamayim, j'ai pas le temps de rien. Alors Hachem dit, si vous faites des mitzvot, je ferai que vous ayez des brachot. C'est quoi la bracha? C'est d'avoir ce que vous avez besoin de faire pour l'avoir. Plus besoin, vous allez avoir la bracha, Hachem va multiplier pour que vous ayez du temps. Pas besoin d'avoir plus. De vous investir dans autre chose que dans l'essentiel de ce que vous devez faire. Et c'est marqué ici, Im Bechukotai Telechu. Comment on va traduire en français? Im Bechukotai Telechu, ça se traduit comment en français? Alors, des chukim, c'est quoi les chukim? Vous savez qu'il y a deux sortes de mitzvot. Il y a ce qu'on appelle des mishpatim, c'est des lois logiques cohérentes. Hein, et il y a des chukim, des lois irrationnelles. Irrationnelles, c'est au-delà de la conscience, au-delà de la connaissance et de la compréhension. Pourquoi c'est nécessaire qu'il y ait des chukim dans la Torah? Parce que. Si vous faites les mitzvot, est-ce que vous le faites par amour ou pas? Ben, quand vous le faites parce que vous n'avez pas forcément compris, c'est sûr que c'est par amour de la mitzvah. Ça va? Et après, marquez les mitzvot, je vous mets les montagnes et vous les pratiquerez. Alors, Rashi relève ici la chose suivante. Im Bechukotai Telechu, si vous allez dans mes lois irrationnelles, Rashi d'expliquer, Yachol, en fait, c'est un midrash dans Torah de Kohanim, ce que dit Rashi. Hein. Et Rashi dit comme ça, Yachol, Zekima mitzvot. En vérité, la question, c'est de savoir, ça veut dire quoi d'aller dans les lois? Ça veut dire quoi? Se déplacer dans les lois. Ça veut dire quoi? Non, c'est pratiquer les lois. C'est quoi se déplacer dans la loi? D'aller dans la loi. Non, vous dites de pratiquer la loi. Mais pourquoi la Torah elle a choisi le mot oler? Oler en hébreu, ça veut dire se marcher, se déplacer. Mais est-ce que vous vous déplacez dans la loi ou vous apprenez la loi? Vous pratiquez la loi? Et pourquoi de déplacement? Pourquoi c'est quoi ce déplacement? Attendez, on va pas s'énerver. Vous avez compris que c'est pas normal. Ça va, Chazak ou Baruch, Michel Berard, Imotenou, ça. C'est pas normal, ce langage est pas normal. Vous auriez écrit, ça, je me déplace dans la loi. Non, vous avez dit non. Oui, mais la loi, y a, dans la Torah, il n'y a pas de... Parce qu'en fait, quand on arrive à 120 ans, eh ben, on ne peut plus faire de mitzvot, on est omed et oler, c'est quelqu'un... Qui se déplace. Mais pourquoi... Vous avez raison, mais pourquoi parler d'un déplacement pour dire ça? Vous devez dire... Vous n'allez pas dire à vos enfants, déplace-toi à l'école. Non, va étudier, ou je ne sais pas moi, ou. D'accord? Va travailler, on ne dit pas déplace-toi au travail. Non, va travailler. Oui. C'est quoi ce déplacement? Alors Rachid dit peut-être
Yachot zekiuma mitzvot. Peut-être qu'on nous parle de l'accomplissement des mitzvot. C'est quoi le déplacement? C'est de pratiquer la Torah, les mitzvot. Kshu omer et mitzvot et tishmoru. Juste après, c'est marqué et mes mitzvot vous les garderez. Donc on parle aré, kiuma mitzvah amour. Donc on voit bien de l'accomplissement des mitzvot. Donc qu'est-ce que voulait dire d'aller dans les mitzvot, d'aller dans les chukim? Le Midrash expliquait qu'il faut être Amel. C'est quoi Amel? Amel, ça veut dire faire des efforts. Adam le Amal Yulad. On a été créé pour faire des efforts. Et là, c'est marqué, il faut faire un effort dans l'étude de la Torah. Oui, à faire un effort dans l'étude de la Torah. Maintenant, il y a marqué, bizarrement, c'est marqué, vous irez dans les mitzvot, les chokim. C'est quoi, il s'agit d'aller dans les chokim? C'est de faire des efforts dans l'étude de la Torah. Ça vous paraît logique que ça soit ça que ça veut dire? Ça paraît étonnant que de se déplacer dans les lois irrationnelles, c'est de s'asseoir, ouais, et de réfléchir à l'étude de la Torah et d'être amel, ça veut dire de faire des efforts de compréhension. Il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à approfondir. Alors on vous dit, il faut passer plus de temps, vous investir, mettre des efforts dans l'étude de la Torah. D'accord? Maintenant, pourquoi il faut faire des efforts dans l'étude de la Torah? Pour avancer, tout simplement. Des efforts. C'est contre nature. C'est contre moi. J'ai pas envie de faire des efforts. Ça va? C'est peut-être pour ça que ça s'appelle un chok. C'est quoi le chok? Le chok, c'est quelque chose d'irrationnel. C'est comme si il y avait quelque chose d'irrationnel dans l'étude. Qu'est-ce qui pouvait être irrationnel dans l'étude? Ben, c'est que tu sois obligé de t'asseoir et de faire des efforts. Et que tu vas réfléchir, et tu vas te casser la tête, et tu vas essayer de faire des nuances, et tu vas essayer d'approfondir les sujets. Pff, c'est difficile, ouais. C'est contre soi, quelque part. C'est contre mon confort, contre ma zone de confort. Alors tu vas faire contre ça. C'est un choc, c'est comme ça. Ça pourrait être quoi le choc? Là-bas, le Rachem, il explique, c'est quoi le choc? C'est comme ça. Vous avez étudié, je sais pas, vous connaissez Ashrei Yoshev Etecha par cœur. Ça va? Vous avez besoin de répéter ou pas? Vous connaissez des recettes de Chalot, mais par cœur. J'ai pas besoin de la feuille, ça fait 25 ans que je fais des chalotes. Est-ce que j'ai besoin de réviser ma petite copie et de regarder ma recette de nouveau? Non, pas besoin. La Torah dit, vous savez, c'est un choc. La Torah, c'est un choc. Il faut répéter. Il faut répéter ce que vous savez déjà. Dans la Torah, vous savez, il faut répéter la Torah. C'est quoi répéter? Il est marqué Veshinantam Levanecha. Veshinantam, ça veut dire tu enseigneras. Mais Shinun, c'est quoi le Shinun? Comme Lechem Mishne. Doublé. Ça veut dire, Veshinantan, tu vas répéter à tes enfants. La répétition. Donc, Shana, ça veut dire, Leshanen, ça veut dire répéter. Shana, ça veut dire changer. Et Shana, ça veut dire enseigner. Ouais, Mishnah. Vous avez vu Mishnah? Neshama. Manishtana. Ça, c'est le changement. Voilà. Mais quelque part, c'est intéressant que Shana veut dire répéter. Shana veut dire enseigner, étudier. Et veut dire changer. Et Shana, c'est ça. Il faut qu'il y ait un chinouï. Il faut les chanotes, il faut changer. Ça va? C'est intéressant de comprendre que comment je vais organiser un changement en moi. Comment je vais faire pour changer? Il faut répéter. Il faut répéter. Il faut répéter. Il faut répéter. Vous allez voir que vous allez absorber la connaissance et vous allez être capable de changer votre nature. La Torah a pour objectif de nous changer. Changer, ça veut dire qu'on ne soit plus la même femme. Avant et après l'étude de la Torah. Avant le cours et après le cours. Il faut qu'on sorte ici, on s'est dit, ben, je ne suis plus la même femme. Voilà. L'objectif d'un cours, c'est de changer les personnes. Shinun, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans ma tête qui va révolutionner un petit peu ma façon d'être, ma façon de me connaître, ma façon de penser, tout ça. C'est ça, la Torah. D'accord? Ça veut dire que Veshinantam. Il faut répéter. Mais si je connais la Torah, je n'ai pas besoin de répéter. En vérité, on voudrait que pénètre en toi ces valeurs. Que soient gravées les valeurs en toi. On avait expliqué une fois, vous rappelez, je vous rappelle ce que vous aimez, l'ange vous a dit dans le ventre de votre mère, hein, c'est pas plus que ça. Bon, c'est comme ça. Il y a une différence entre imprimer la connaissance, ça va, et incruster la connaissance, graver la connaissance. Vous avez vu que dans la Torah c'est marqué, ouais, on n'a pas marqué il faut imprimer la connaissance, c'est-à-dire on n'a pas dit dans la Torah, hein, il est marqué Ezo Ben Chorin, qui c'est qu'on appelle libre? Comme ça c'est marqué dans les Pirkei Avot, qui est-ce qui est libre? Ouais. Celui qui a Osek Batorah. Et d'où c'est marqué? Parce qu'on a dit que Hachem, il a demandé à ce qu'on... Lui, il a demandé à Moshe de tailler les pierres. Et Hachem, il a gravé dans la pierre les 10 commandements. Il a gravé dans la pierre. Il n'a pas imprimé sur la pierre. Il a gravé dans la pierre. Qu'est-ce la différence entre imprimer et graver? C'est très fort. Hein? C'est très fort. Il faut être Amel Batorah. On voudrait qu'on grave dans notre cœur. Ça veut dire que quoi?
J'ai étudié un texte, d'accord. J'ai vu la doigt, j'ai lu la paracha de Berokotai. Vous la connaissez la paracha, ça va? Oui, je la connais bien, j'ai vu Rashi, j'ai vu tout, je connais la paracha. Alors le problème, c'est, l'avantage, c'est que je connais. En vérité, j'ai imprimé. Mais quand on imprime quelque chose, il y a l'encre et il y a la feuille. La feuille, c'est moi. L'encre, c'est le texte. Est-ce que vous voulez, est-ce que ça vous suffira qu'on imprime? Pourquoi? Mais ça va, je sais. Quelqu'un dit, mais ça, tu vas pas me répéter 10 fois, je suis pas, j'ai compris, ça va, je sais. Mais pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que quand je grave, il n'y a pas de corps étranger, c'est moi. Vous avez compris? C'est pas qu'il y a l'encre et il y a mon cœur, non. C'est pas qu'on dit, mais tiens, ça va, t'as imprimé, ça va, t'as compris, t'as imprimé, ça va. T'as compris, t'as imprimé. Non, je veux pas que t'imprimes, je veux que tu graves. Ouais. Et si j'imprime? Et si je ne grave pas, ouais, c'est grave. Ben oui. Ben oui, parce qu'il ne faut, il faut pas seulement imprimer. Il faut graver. Graver, ça veut dire, il faut que ça fasse partie de ma vie. Quand on dit dans la, vous dites dans la tefila, qui aime chayenu, veorer chayenu. Qui aime chayenu. La Torah, c'est notre vie. Et veorer chayenu, qui nous permet la longévité de notre vie. Ça veut dire qu'on vit avec. C'est pas qu'on dit, il y a la Torah et il y a le reste. Ouais, il y a des gens qui pensent, il y a la Torah, mais attendez, il ne faut pas tout mélanger. Il y a la Torah et il y a la Parnassa. Ça va? Bon, si j'écroque les gens, c'est pas grave. Et à la synagogue, j'irai donner de la zaka. C'est bon, c'est bon. Ou, comme une fois, une fille, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, écoutez, j'ai un examen à passer à Shavuot. Je dis, est-ce que je peux y aller ou pas? Je lui dis, vous allez faire quoi là-bas? Elle m'a dit, on va jouer au ping-pong. Non, elle m'a dit, je vais écrire. Je lui ai dit, on peut pas écrire à Shavuot, c'est pas possible. C'est Yom Tov, on peut pas écrire. Alors je dis, qu'est-ce que je veux? Je dis, je vais téléphoner à quelqu'un que je connais, ou je vais donner le numéro de téléphone, quelqu'un qui va pouvoir téléphoner, qui fait partie du consistoire, et qui va téléphoner à la fac pour essayer de faire en sorte que vous puissiez passer l'examen autrement. Elle dit, d'accord, vous me rassurez. Je dis, pourquoi? Parce que j'ai demandé à quelqu'un, il m'a dit, écoute, c'est pas grave, tu vas à l'examen, et puis après tu vas jeûner. Tu vas écrire là, après tu diras, excuse-moi, j'ai pas eu le choix. C'est grave quand même, non? Mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'on a mis des informations qu'on a su imprimer chez les gens. On veut pas imprimer les choses. Tu dis, ben voilà, c'est marqué comme ça. Ben, c'est pas grave, tu vas jeûner, tu vas l'effacer, c'est pas grave. Ben, tu prends ta gomme et tu effaces. On veut pas imprimer, on veut graver. Si quelqu'un me dit, écoute, c'est comme j'ai des gens, ils ont fait teshuva, ouais, ils ont fait teshuva, et ils ont dit, c'est bon. Shabbat, j'arrête de travailler. Ok, super. Et donc, il va voir son patron. Et Dieu est grand, Baruch HaShem. Il va voir son patron. Il dit, écoutez, dorénavant, je vous dis la vérité, je ne viendrai plus Shabbat au travail. Il n'y a pas de problème, on va vous licencier. Pardon? Je n'ai pas compris. Hein? Je n'ai pas compris. Il dit, écoutez, on va vous licencier. On va vous licencier. Il dit, mais HaShem, je n'ai pas compris. Mais j'ai pris sur moi. En fait, j'ai imprimé, mais je n'ai pas gravé. Tu as compris? Ça veut dire qu'il me dit ça, je dis, de toute façon, j'ai peur de quoi? HM est avec moi, et peut-être je vais retrouver même mieux que ce que j'ai, ça va? Mais c'est pas gravé. Ça veut dire que j'ai cru qu'il allait me dire, mais bien sûr, avec plaisir, ben oui, parce que... Mais non, c'était juste imprimé, on voulait savoir, est-ce que c'était gravé chez toi ou c'était juste imprimé? Et c'est ça la différence, vous avez compris? Il faut être amel batora, ça veut dire que les valeurs, on doit les incruster dans notre cœur. Et ça, ça demande de la répétition, ça demande... Et c'est ça qui va engendrer du changement. Il faut demander de la compréhension, ça va? De la compréhension. Comme des gens, hein, ils font la prière, d'accord? Ils font la Amida, mais ils comprennent rien. Ils comprennent pas l'hébreu et tout. Qu'est-ce que tu as dit là? J'en sais rien, mais j'ai fait la mitzvah. J'ai dit Hazak. Dis-moi, si demain le Rav, il va faire la créta Torah en chinois, il va monter un Torah. Il est fou le Rav, il est fou. Il est fou, mais il est en chinois. Je dis, de toute façon, l'hébreu, le chinois, c'est pareil. Pour toi, c'est pareil, hein, franchement. Tu comprends rien. Religieusement, tu écoutes le rave, il fait ça. Je suis tes vous, on écoute le rave. Mais tu comprends rien. Mais la Créta Torah, elle a été faite pour quoi faire? Mais pour au minimum, une fois par semaine, tu écoutes la Torah. Et tu comprends ce qu'il se dit. Il y a des lois, il y a des halakhot. Minimum! Le lundi, jeudi, un petit passage, minimum, faut pas déranger les gens. Et le Shabbat, on va dire la paracha. Mais au moins, vous avez compris, ça va prendre une demi-heure. Voilà. Mais minimum que tu comprennes. Et non, et religieusement, les gens, ils écoutent ça sans comprendre. Je dis, mais j'ai pas compris. Mais jusqu'à quand ça va durer? Que tu vas faire des trucs sans comprendre. Je dis, mais moi, on m'a dit, il faut faire les mitzvot. Alors j'ai fait la mitzvah, j'ai fait la prière, j'ai écouté la Créta Torah. Voilà, Dieu, il est content ou pas? Mais t'as juste pas compris à quoi ça sert.
Tu as juste fait la prière et tu crois que Hachem, il a besoin que tu lui téléphones sans que tu comprennes ce que tu lui dis, quoi. Non, mais c'est cohérent, ça. Il faut arrêter, ça va. Il faut être cohérente. Il faut être cohérent. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais traduire au moins ce que je... Minimum. Et au moins comprendre ce qui est marqué dans le texte. C'est ça, non? Le problème, c'est qu'on fait de la religion alors qu'on croit que c'est la Torah. Alors, il faut que tu étudies la Torah. Étudier, ça veut dire comprendre ce que tu fais. Ça va? Il faut que ça soit cohérent, que ça soit logique. On ne parle pas des chokim, on parle des lois. Ça doit être compréhensible. Approfondir les sujets, essayer de comprendre des nuances, essayer de comprendre comment il fonctionne, comment Hachem il fonctionne avec toi, essayer de comprendre tout ça. Mais ça, c'est la Torah, ça. C'est qui l'auteur de la Torah? Qui c'est qui a écrit la Torah? Hachem. Bon, Hachem, il a créé le monde. C'est complexe, la création du monde, ça va? C'est un peu complexe, ça va? La création. C'est compliqué ou pas? Alors, est-ce que si c'est compliqué de comprendre la création du monde, ça ne va pas être compliqué de comprendre la Torah? Puisque l'auteur de celui qui a créé le monde, c'est celui qui nous a donné la Torah. Alors arrêtons de faire de la simplicité. Hein, on va arrêter. Vous savez quoi? On va essayer de rendre intelligente la Torah. Ça ne vous dérange pas ou pas? Alors essayons de comprendre, c'est ça que ça veut dire. C'est Amélim Batorah, c'est-à-dire que tu crois que tu as traduit, tu as compris. C'est comme un enfant, tu t'as compris, oui, répète-moi ce que j'ai dit, il va vous répéter mot à mot ce que vous avez dit. Mais j'ai pas compris, c'est pas ça que je veux que tu me dises. Qu'est-ce que j'ai voulu te dire? T'as compris ou pas? Qu'est-ce que j'ai voulu te dire? Parce que ce qu'il dit, tu m'as répété. Tu crois que comprendre, c'est répéter ce qui est marqué? On veut pas que ça soit imprimé. On veut que tu comprennes le fond. Ça veut dire que derrière les mots, il y a des intentions, il y a des volontés, il y a plein de choses. C'est ça, comprendre. Ça va? C'est ça, Ibrekodot et Lechou. Et ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Il faut pas se contenter d'eux. Voilà. On veut être des femmes cohérentes, des femmes intelligentes. Que vous faites des choses, il ne faut pas que ce soit parce que c'est comme ça. Non. Vous avez compris? Voilà. C'est ça qui est important. Oui? Et c'est ça. Et donc ici, c'est marqué Imbechokotet et Ruth. Et ça amène des brachot. Parce que vous êtes en cohérence avec Hachem. Vous vous déplacez. C'est quoi le déplacement? C'est intéressant de comprendre le déplacement. Oui? Parce que, vous voyez, là, on est au séminaire. Baruch Hachem. Vous avez des cours de Torah, vous apprenez des choses, etc. Là, on est tous égaux, là. Parce qu'on est tous en train d'apprendre et on est tous en train d'étudier. Vous allez sortir d'ici, vous allez descendre dans la rue. Dans la rue, comment ça va se passer? Est-ce que vous allez vous déplacer avec ce que vous êtes devenu? Vous allez dire, bon, le Rav, il a dit ça, Razak ou Baruch, Miché Bernard, mais bon, j'ai ma vie. Est-ce qu'on va dissocier l'étude de la Torah? Quand vous allez sortir, Iberukotai Telechou, maintenant quand vous allez sortir d'ici, la vraie femme, c'est qui la vraie femme? C'est celle qui est là ou celle qui est dehors? C'est ça le problème, vous avez compris? Quand vous allez vous déplacer dans vos vies, comment vous allez appréhender les situations? Comment vous allez vivre la situation? Est-ce que je vais vivre en disant, j'ai pas le choix, voilà, j'ai du Yetzirara, et puis on est sous influence, je suis désolé, on est à Paris, on est machin. Vous allez dire, non, j'ai appris, il faut que ces valeurs elles soient conservées en moi. Lishmor mitzvotai, de garder mes mitzvot, ça va? Je ne veux pas trébucher dans quelque chose qui va me faire perdre ma vie. Mais pour ça, il faut avoir des valeurs sûres. Ouais. C'est pour ça que je dis toujours que la Torah, ce soit des choses sûres. Des choses sûres. Il faut être lassé de croire que ce ne sont pas des choses sûres. C'est très important que vous compreniez ça. Très important. Il ne faut pas se lasser des choses sûres. Il faut toujours être clair dans ce que vous apprenez. Et c'est ça qui va vous permettre, Be'ezrat Hashem, que quand vous sortez de là, il n'y a pas d'arrière-pensée. Il y a des choses, même si vous avez des doutes, vous savez que c'est parce que vous avez des doutes que vous avez construit quelque chose, ouais. Et c'est parce que vous pensez, on peut agir mal ou penser mal et on a honte de ce qu'on fait. On a honte parce qu'on est contrasté par ce qu'on a appris. On a appris des choses et on est contrasté. Même la connaissance, des fois, elle suffit pour se sentir contredite et dire non, ça va pas. Mais je suis honnête avec moi-même. Parce que je sais que ça ne correspond pas à ce que j'aurais dû être, à ce qu'Hachem attend de moi, à ce que j'espère devenir, c'est ça. Et ce contraste-là amène à de la pudeur. C'est quoi la pudeur? Ben, c'est comme ça. La pudeur, écoutez-moi bien. La pudeur, c'est la réaction épidermique que j'ai de savoir que ce que je suis ou ce que je fais est honteux ou honteuse. Alors je préfère me cacher. Si quelqu'un il fait une avéra, s'il est clair dans sa tête, il a honte de ce qu'il fait, il va se cacher. Ça va? C'est un peu comme Adam Harishon. Ils se sont cachés. Vous avez vu? Avant, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Mais quand ils ont fait la avéra, ils ont eu peur, ils se sont cachés. Mais pourquoi tu te caches?
La tsniout, c'est quoi la pudeur? C'est que je sais que je suis contrasté entre ce que... J'ai pas envie que les gens me regardent comme je suis, parce que j'ai des valeurs, donc je suis une belle femme et j'ai pas envie qu'on me regarde comme ça. Je suis pas un objet, je suis désolé. Alors j'ai honte qu'on me regarde comme ça. Alors qu'est-ce que je fais? Ben je me cache. Écoute, je préfère que tu m'apprécies pour ce que je suis, pour toi, qu'est-ce que j'ai? Ça m'intéresse pas. La pudeur, c'est de dire aux gens, mais j'ai honte que tu me regardes comme ça, c'est ça. J'ai pas envie que tu me regardes comme ça. La pudeur, c'est logique, vous avez compris? La pudeur, c'est le sentiment profond que vous avez de vous sentir contredite ou de ne pas être appréciée par votre propre valeur. C'est pas ça, mes valeurs. Ça va? C'est pas ça. Mais c'est quoi? Non, la sniout, c'est la retombée. Le corollaire de ce que vous ressentez. Comme ils ont fauté, ils ont eu honte, ils se sont cachés. Comme si je devais me cacher de quelque chose que j'ai pas envie que les gens ils pensent que je suis ça. Je suis pas ça, moi. C'est comme une femme, elle me dit, mais je comprends pas. Je veux me marier, on ne présente que des gens, ils sont pas religieux, ils sont pas machin. Je lui dis, mais vous avez vu comment vous habillez, madame? Bah, les gens, ils vous voient comme ça, ils disent, bah, elle n'est pas religieuse. Mais si tu penses que tu l'es, alors que ça corresponde à quelque chose chez toi, j'ai pas compris. Tu n'as pas honte de... Elle ne se sent pas contrastée parce qu'elle est en train de vivre. Mais si tu te sens dans la Torah, eh ben, sois la femme de la Torah. Et tu dis, mais on présente n'importe qui, n'importe quoi, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas... Ben, j'ai compris, mais quand on te voit, on vous voit, ben, on pense que vous êtes comme ça. C'est... Alors essaie d'être cohérente avec toi-même. Si tu dis, mais on s'en fout, moi, j'ai des valeurs intérieures, j'ai machin. J'ai compris, mais comment tu veux que les gens te regardent? Les gens, ils ne sont pas capables de visualiser à l'intérieur de toi quelles sont tes valeurs intérieures. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut représenter à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur. C'est fondamental. C'est pas du cinéma. C'est ça de se déplacer dans les chukim. Vous avez compris? On se déplace, on est cohérente avec soi-même, on se déplace avec soi-même. C'est marqué ici dans le Pirkei Avot. C'est peut-être pour ça que c'est marqué Olchim. C'est intéressant, Alicha, le déplacement. Il y a marqué ici dans le Pirkei Avot, on est dans le cinquième chapitre, cette semaine, on va lire le cinquième chapitre, dans la Mishnah Yudzein. C'est marqué Arba Midot Be'olche le Bet Amidrash. Il y a quatre qualités pour ceux qui vont et se déplacent au Bet Amidrash. Olaer le Bet Amidrash. C'est marrant, c'est marqué Oler. Comme ici, c'est marqué Telechou, c'est marqué aussi Oler en se déplaçant au Bet Amidrash. Il y a marqué Oler Ve'no Ose. Si quelqu'un il va au Bet Amidrash, mais il fait rien. Bon, alors, il est marqué, Srar Alicha Beyado. Il a le salaire de moins avoir été. Un truc de dingue, quand même. Il ne sait pas étudier la Torah. Il sort de la synagogue, il va au Bet Amidrash, mais il ne comprend rien. Il aura au moins le salaire de s'être déplacé. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Attendez, la mitzvah. C'est comme si vous dites comme ça. Vous avez été employé dans une entreprise. Bon, j'étais là-bas, mais j'ai rien fait. J'étais comme ça sur mon bureau. Alors à la fin du mois, votre patron va dire, au moins tu es venu, Chazak ou Baruch, je vais te donner. Est-ce qu'on va vous donner de l'argent parce que vous êtes venu au travail sans rien faire? Dites non, ça va plus vite. Attendez, je suis venu au travail, mais j'étais comme ça. Vous dites, alors madame, vous êtes secrétaire, vous êtes machin, vous avez commencé. Mais depuis quand on paye des salaires sur des moyens? Il fallait bien se déplacer, évidemment, mais le but, c'était quoi? Le but, c'est d'étudier, c'était pas d'aller se déplacer. Et on donne quand même un salaire sur un moyen, c'est extraordinaire ou pas? Comment ça se fait? Il va rien comprendre. C'est marqué, vous savez ça? Regardez, non mais je vous explique. Il y a marqué d'abord, c'est le Rama qui ramène ça, le Rama. Vous connaissez le Rama? Le Rama dans le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Nune là-bas, il dit qu'il y a une mitzvah d'aller après la synagogue, on va au Bet HaMidrash étudier. Et le Rama, il ramène que même s'il ne comprend rien, il ne sait pas étudier, ouais, il ne sait même pas lire, mais il dit, je vais y aller. Et bien, il aura, et ce qui est marqué là, Sachar Alicha, il aura le salaire d'avoir au moins été. Qu'est-ce que veut dire le salaire d'aller? Mais le mérite, c'est d'avoir étudié ou d'avoir été? Mais comment ça se comprend, ça, mesdames? C'est comme je viens de vous expliquer. Votre mari va au travail, on dit, bah, tu, puisque t'es venu, t'as rien foutu, hein, c'est pas grave. Tu as fait perdre l'argent, mais t'es venu, bah, Hachem, alors on va donner. Le fait de voir des gens étudier et le fait de voir des gens un comportement, ça va influencer. Alors, il n'y a pas marqué qu'il aura le salaire d'avoir vu le comportement, d'avoir été, c'est incroyable. Je dirais l'effort de pour lui, il y va pour étudier. J'ai compris, mais il sait bien qu'il va rien comprendre, il sait pas étudier. Alors écoutez-moi bien, peut-être comme ça. Si elle est sans comprendre, il va finir par... Alors quand il aura compris, il aura le salaire.
Mais tant qu'il n'a rien compris, je ne vois pas pourquoi on aurait un salaire. Alors peut-être comme ça, écoutez-moi bien. Ce qui est très important, vous compreniez, c'est que... Lama, Chazak ou Baruch. Mais non. Peut-être comme ça, écoutez-moi bien. Est-ce que le but de ce que vous faites, c'est le résultat, ou bien c'est ce que vous devenez? C'est ce qu'on devient. C'est pas forcément ce que vous faites. Nous, vous savez, dans la société aujourd'hui, on demande des résultats. Tu fais quelque chose, je veux des résultats. Et si tu fais, et si tu, le résultat, il est pas ce que j'ai escompté, etc., je te paye pas, zéro. Ça va? Je veux des résultats. Le problème, c'est qu'on quantifie les choses. On ne regarde pas les efforts fournis. Parce que je vous explique, quelqu'un qui est très intelligent, il va avoir des résultats, évidemment, qui sont plus proportionnellement grands que celui qui n'est pas intelligent. Celui qui est courageux, il va arriver à des résultats qui sont plus que celui qui n'est pas. Celui qui a des envies, il va arriver à plus loin que celui qui n'a pas d'envie. C'est bon? Mais l'envie, l'intelligence, c'est quelque chose qui a été donné à l'homme. Ça a été donné, ça vous a été donné, c'est Hachem qui a donné ces qualités-là. C'est vrai ou pas? Donc, alors, quels sont les critères objectifs qu'on peut retenir pour donner un salaire? Les efforts. Ça veut dire que je ne suis pas intelligent, mais j'ai fait l'effort d'étudier la Torah. Hachem, il va dire, mais lui aussi fait des efforts et moi aussi. Ça, c'est objectif. C'est commun à chacun. Maintenant, le résultat, il n'est pas commun. Mais nous, le problème, c'est qu'on nous a complexés en nous disant, mais t'as vu ce qu'il a fait l'autre, mais t'as vu ce que tu fais toi, mais franchement, il vaut mieux arrêter. Et nous, on s'arrête parce qu'on s'arrête au résultat. On dit, si ça ne correspond pas aux critères, alors il vaut mieux t'arrêter, ça ne sert à rien ce que tu fais, ça ne sert à rien. Et là, on voit l'inverse. On voit les efforts que tu fournis. Le critère de référence, ça n'est pas le résultat. Tu dis, mais la fille, c'est pour ça que ça n'a aucun sens d'être jalouse. Ça n'a aucun sens d'être envieuse. Tu dis, mais rien d'autre, elle a fait ça. Mais j'ai pas compris, mais toi, tu n'as rien fait pour être cette personne. Oui ou non? Et l'autre, elle n'a rien fait non plus. Alors pourquoi tes critères à toi, c'est le résultat et pas... Mais si c'est Hachem, il a décidé que ce soit comme ça, c'est comme ça. Mais oui, c'est ça, mais ça veut dire que le problème, les gens, c'est qu'ils pensent que... Pourquoi je suis jalouse? Parce qu'elle a plus que moi, parce qu'elle a machin pas quoi. Mais c'est de toute façon, elle a pas choisi ça. C'est pas un choix personnel, comme vous dites, c'est un mazal. Maintenant, avec les moyens qu'on lui a donnés, il faut qu'elle arrive quelque part. Mais ce qui compte, c'est ce qu'est les efforts qu'elle a fournis pour y arriver. C'est pas forcément ce qu'elle va réussir à faire. Mais évidemment, que si elle est, elle est plus riche, elle va faire des choses que vous ne ferez jamais de votre vie. Évidemment. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi qu'on va regarder? C'est quoi le critère objectif? Combien tu as fait d'efforts? C'est ça. Les foum sahara, agra. Selon l'effort, le salaire. Ça veut dire que j'ai fait l'effort d'aller au pétaminage. J'ai démontré par là que j'aime la Torah. Mais je sais que je vais y aller, mais je vais. Tu as pris sur toi. C'est ce qui compte. Vous avez compris? C'est très intéressant de comprendre que les critères de la Torah, c'est pas forcément le résultat qui compte. Pas forcément. C'est ce que je suis devenu parce que j'ai fait. J'ai fait l'effort. Je ne suis plus la même personne. Il y a des gens qui ne font pas d'efforts pour aller au Beth Amidrash, mais s'ils ne comprennent rien. De toute façon, à quoi ça sert, j'y vais pour rien. J'ai l'amour de la Torah. Et ben, comment je l'ai démontré? Je me suis déplacé. Mais de toute façon, tu ne vas rien comprendre là-bas. Tu ne sais même pas étudier. Mais au moins, j'ai démontré que j'aime la Torah. Vous avez compris? C'est ce que j'ai pris sur moi. Même ce minimum d'avoir été, ça s'appelle le salaire. Pourquoi? Parce que Hachem nous gratifie sur la capacité que nous avons d'accepter la Torah. Après, il y a autre chose qui va entériner cette acceptation, c'est l'action. Mais d'abord, il faut un réceptacle. Tu remplis quelque chose et après, qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu remplis? On va dire comme ça, il y a imprimé et il y a gravé. L'imprimé, j'ai pris sur moi, j'imprime. Après, qu'est-ce que je vais faire? Même sur le fait que j'ai accepté quelque chose dans ma vie, j'ai un salaire dessus. Parce que le plus compliqué, c'est pas de faire, c'est d'accepter de faire. Si vous avez envie, alors vous allez le faire. Si on vous dit, par exemple, quelqu'un vous demande un service, allez, bon, tu peux venir m'aider, je dois déménager, machin. Bon, tu peux venir m'aider, voilà, de 10h à 12h dimanche. Bon, après, on lui téléphone, dit, bon, finalement, j'ai pas eu besoin de toi. Il y a deux réactions possibles. Soit la personne dit, mais non, mais attends, mais je peux peut-être faire autre chose. Je peux peut-être t'aider, dis-moi ce que je peux faire, dis-moi ce que je peux faire. Ou il y a des gens qui vont dire, ah, t'as pas besoin, merci, bah, Razak, merci. Heureusement que tu m'as appelé parce que j'avais autre chose à faire. Merci. Mais non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, soit j'ai envie de faire, soit j'ai pas. Mais est-ce qu'au départ, quand est-ce que je sais que j'avais accepté? Ben, quand je dis j'avais accepté, mais peut-être je peux faire autre chose, peut-être que je peux t'aider dans autre chose. Ouais. J'avais accepté de t'aider, alors laisse-moi t'aider. Le fait d'avoir accepté, c'est plus compliqué. Parce que si je n'ai pas vraiment accepté, je vais faire un contre-cœur. Et puis si elle me dit j'ai pas besoin de toi, eh ben, ça me rend service. Voilà. Mais ça veut dire qu'au fond, il faut construire cette volonté-là.
C'est ça que même si j'ai été sans avoir pas pu étudier ou fait, j'ai le salaire. Parce que j'ai au moins le salaire de mettre des... C'est ce que je voulais. Je voulais me dépasser, on te donne le salaire de ce que tu voulais faire. Tu as fait des efforts pour ça, on te donne le salaire de ça. Oui. C'est le plus compliqué, madame. Ben, vous avez un Yetzer Hara ou pas? Juste là. Hein? Juste ça. Juste le Yetzer Hara qui nous empêche d'accepter. Parce que je vais vous expliquer. Quand est-ce que vous allez exister? Vous savez quand est-ce que vous existez? Pas quand vos choix, ils sont évidents. L'existence, c'est quand c'est compliqué. J'ai un doute. Je fais ou je fais pas. C'est là que ma vie démarre. Donc j'ai accepté de faire. Ça veut dire que j'ai décidé que l'essentiel, c'est de refouler ce qui m'empêche d'agir et d'aller dans le sens de ce que je vais faire. Votre niveau de Bechira, c'est votre existence personnelle. Quand on dit « ou Bacharta Bachaim » dans le texte de la Torah, c'est quoi choisir la vie? Il y a marqué « j'ai placé la vie, j'ai placé la mort et tu choisiras la vie ». Je n'ai pas compris, mais je ne suis pas suicidaire, hein, je vous rassure. Donc qu'est-ce que la Torah nous conseille de vivre? Non, vivre, c'est ce qui va te faire vivre. Qu'est-ce qui va me faire vivre? Mon Yitzhara, il me dit « vas-y, penche de ce côté ». Je dis « non, je veux vivre ». Vivre, c'est de faire le choix de faire exister au fond de moi-même ce que je dois faire, ce que je dois être. Et ça se passe au moment où j'ai une épreuve. Ça va? Et c'est là que je dis, il faut vivre. Alors c'est là qu'à ce moment-là, j'existe. Vous avez compris? C'est là que j'existe. Avant, je n'existe pas. Parce que de toute façon, je l'aurais fait. De toute façon, même si je n'avais pas dit ça, je l'aurais fait quand même. Ou même si on était, de toute façon, je l'aurais fait. C'est pas là qu'on est. On existe fondamentalement lorsque le choix se propose à soi. Un choix, c'est j'ai le choix. C'est-à-dire, soit je fais ça, soit je fais ça. Mais en vérité, au fond, vous allez comprendre, soit je fais un choix corporel, soit je fais un choix spirituel, soit je fais un choix... L'enjeu du Yetzer, c'est ça l'enjeu du Yetzer. Qu'est-ce que tu choisis dans ta vie? Vous avez compris? Voilà. Quand on dit, tu comprends rien, ça sert à rien de Beit HaMidrash, mon corps, il me dit, qu'est-ce que tu vas perdre ton temps, de toute façon, tu comprends rien. Je lui dis, non, j'y vais quand même. Pourquoi? Parce que j'aime la Torah, je veux montrer que j'aime la Torah. Même si Hachem, et peut-être que par ce mérite, Hachem, il va me donner la Chochma. Vous avez compris? Alors justement, il faut savoir que Naasé ne veut pas dire faire. Vous avez compris? C'est quoi Naasé? D'accepter de faire. Hachem, il m'a sauvé ma vie. Ouais. Eh bien, j'accepterai de faire tout ce que tu me demanderas parce que, par reconnaissance du bien que tu m'as sauvé la vie. Ça va? Naasé Venishma, c'est d'accepter de faire. C'est pas faire. Je ferai ce que tu me demanderas, bien sûr, mais c'est pas faire. Parce que comment vous voulez que je fasse si je sais pas? Je ferai, je comprendrai. Mais si tu peux pas faire, c'est que tu sais pas. Donc c'est pas ça, c'est que j'accepterai de faire et après, maintenant que j'ai accepté, alors je vais comprendre. Mais si vous n'acceptez pas, vous n'avez pas envie de comprendre. C'est ça, Nachem Vishma, c'est d'accepter. J'accepte la Torah, j'accepte la Torah. Et donc c'est marqué ici pareil. Oler veno osé, sachar eli chabiedo. Osé veno oler. Il fait, mais il ne va pas étudier. Il fait, mais il ne va pas, hein, il va pas au Beit HaMidrash. Alors il est marqué sachar maase biado. Il a fait, ouais, il l'a fait. Mais il n'a pas été. Ça veut dire qu'il a fait, il a étudié la Torah à la maison, mais il n'a pas été au centre d'études pour étudier la Torah. Vous voyez? Il a pratiqué. Parce qu'il faut savoir une chose. À quoi ça sert d'étudier? Si on n'est pas en pratique. Il y a marqué, il faut étudier Al-Melat Lelamed. Dans l'intention, au départ, quand j'étudie, c'est dans l'intention d'enseigner la Torah. Voilà, je ne garde pas la Torah pour moi, je la transmets. Ça, c'est une chose. Et aussi, Al-Melat Lahasot. J'étudie la Torah dans l'intention de réaliser l'étude. Je veux réaliser, me réaliser avec. Vous avez compris la différence entre accepter d'être et faire. Qu'est-ce que ça change de faire? Parce que vous avez accepté, on a vu que l'essentiel, c'est ce qu'on accepte de faire. Oui. Pratique. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous gagnez de faire? Qu'est-ce que vous gagnez? Pour transmettre. Et si on ne fait pas, il y a un problème. D'accord. Mais pourquoi il faut faire, agir. Donner l'exemple et continuer de transmettre. Vous êtes tout seul dans le désert, madame. Tout seul dans le désert. Vous avez besoin de faire ou pas? Pardon? Vous êtes toute seule dans le désert. Oui. Voilà. Et vous êtes Shabbat, vendredi soir, vous allez aimer vos veilleuses. Il n'y a personne. Oui, mais c'est pour moi-même. J'accepte. Pourquoi il faut faire? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que... Sans me poser des questions. Monsieur Bérard, pourquoi vous devez... Qu'est-ce que vous gagnez d'agir? Qu'est-ce que ça a comme incidence sur vous de faire? La chance. Comment ça marche? Par exemple, un exemple très simple. C'est marqué sous de très très étonnant dans Rashi, dans la Akedat Titzrak. Là-bas, c'est marqué que quand Hachem a demandé à Abraham de sacrifier son enfant, pour nous, c'est incompréhensible. C'est inhumain ce qu'il lui a demandé. C'est incohérent ce qu'il lui a demandé. On est d'accord? Bon. Abraham, il accepte. Ça veut dire quoi d'accepter?
d'accepter. C'est au détriment de tout ce qu'il avait risqué de perdre. Parce qu'il n'a pas seulement perdu son fils. Il a perdu toute son idéologie, toute sa philosophie, toute l'influence qu'il a eu sur les gens d'arrêter de sacrifier des enfants. Et lui-même, on devient par nos enfants, vous le savez ou pas? Très bien. Et son futur, c'est qui? Israël. Donc quand il sacrifie cet enfant, il sacrifie son passé, son présent, son futur. Toute sa vie, Razak ou Balour. C'est dur d'accepter quand même. Maintenant, qui c'est qui lui a demandé? Hachem. Il ne s'est pas fait du cinéma en disant non, il ne m'a pas dit ça, mais non, mais attends, c'est pas logique, parce qu'il me demande de sacrifier cet enfant, et il m'a promis que j'aurai une grande descendance. Alors si je le tue, comment je vais avoir une grande descendance? D'accord? En fait, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit autre chose, il a dit, élimine l'enfant qui est en toi. Peut-être qu'il a dit, je sais pas, hein, soit un adulte, ouais, peut-être qu'il m'a dit ça. En vérité, non, ça c'est Sarah qui me fait croire ça, c'est pas vrai. Il m'a dit, prends ton fils, sacrifie-le. Maintenant, le problème, c'est que j'ai pas envie. Ça va? Mais d'un côté, je m'ai demandé. Alors, comment je fais? Je fais quand même. C'est contre moi. Mais c'est contre quoi? La compréhension, en fait. Parce que, écoutez-moi bien. Si j'écoute ce que je ressens, je me refuse. Ça va? Oui. Je me refuse. Qui c'est qui aurait eu raison? C'est celui qui m'a dit refuse. Ça veut dire que l'Yitzhara, il est plus fort que Dieu. Il y a marqué d'ivré à Rav. Les paroles du Rav et les paroles de l'élève. Tu écoutes qui? L'élève ou le Rav, toi? Eh bien, lui, il a écouté l'élève. Il dit non, j'ai pas envie. Mais chez Hachem, il t'a dit vas-y, fonce. Je dis ouais, mais pourquoi c'est pas logique? Alors je dis ouais, écoute, j'ai rien compris. Mais laisse-moi faire, c'est-à-dire, laisse-moi devenir la personne qui va écouter Hachem au détriment de mes intérêts personnels. Il est devenu Ma'amin. Ma'amin, c'est-à-dire la Emouna. C'est pas de la blague, c'est la Emouna ça. La Emouna, Bitachon. Mais non, écoutez bien. L'ange, il vient, il intervient. Il dit Atishlach Yalech Alanar. Ne mets surtout pas la main sur un enfant. Atas l'omeouma. Ne lui fais quoi que ce soit. Ki ata yadati, car je sais aujourd'hui que tu es Yerelokim. Ça va? Maintenant, il y a marqué dans le texte. Ne mets pas ta main sur l'enfant et ne lui fais quoi que ce soit. Bah, évidemment, s'il ne met pas sa main sur l'enfant, il va faire quoi que ce soit. Évidemment, ce sera quoi que ce soit. Pourquoi l'ange, il a rajouté quoi que ce soit? Rashi rajoute. Entre-temps, qu'est-ce qu'il a dit, Avraham Avinu? Il a dit comme ça. Bechinam batilekan. Quoi, je suis venu pour rien? Tout ça, c'était juste pour me faire peur. Ça va? Finalement, ça a servi à quoi? Chinam. Chinam, ça veut dire? Ça a servi à rien. Laissez-moi faire quelque chose. Une petite quelque chose, un petit traboura, un petit machin, une petite blessure, quelque chose. Laissez-moi faire. Il dit, mais Ouma, même ça, je ne veux pas que tu fasses. Ça veut dire, Avram, il voulait absolument faire quelque chose. Et il a dit, s'il n'avait pas fait, ça aurait été chinam. S'il n'avait pas fait quelque chose, ça aurait été pour rien. Mais qu'est-ce que fait l'acte que ne fait pas la pensée? Vous avez compris? Il dit, laissez-moi faire. Moi, j'aurais dit, vous m'avez fait peur. Franchement, vous m'avez fait peur. Là. Non, mais c'était une blague. Vous m'avez demandé, machin, mais je savais bien que ça n'allait pas durer. Et donc, j'aurais jamais rien fait de ma vie, moi. Et lui, non, laissez-moi faire. Ça veut dire qu'il voulait entériner la pensée qu'il avait atteinte d'être un Ma'amin. Et ça, il fallait absolument faire un acte pour cristalliser cette pensée-là. Ça veut dire que je deviens ce que je vais faire. Mais attention, je deviens quoi? Attention. Qui c'est qui refuse et qui c'est qui veut? Moi, j'ai un corps et j'ai une neshama. Hachem, il dit à Avraham, prends ton fils, sacrifie-le. Sa neshama, qu'est-ce qu'elle lui dit? Vas-y. Et son corps, il lui dit? Non. Ça va, oui. Donc à qui je dois répondre? À ma neshama ou à mon corps? Neshama. À quoi vient répondre l'épreuve? À mon neshama ou mon corps? Je répète, à ma neshama ou à mon corps? À mon corps. À quoi ça vient répondre? C'est mon corps qui veut pas, madame. C'est mon corps qui veut pas. Et moi, je veux lui dire à mon corps que oui, il faut que tu deviennes cette personne. Écoute ce que ta neshama te propose et pas ce que ton corps te propose. Laissez-moi faire, ça vient répondre à un problème corporel, mesdames. Je vais agir parce que mon corps n'est pas en adéquation avec ce que je pense. Et donc, il faut que j'arrive à entériner non pas ce que ma tête pense, parce que ma tête, elle n'a pas de problème. C'est mon corps qui a un problème. C'est mon corps qui ressent le désir de ne pas faire. Je ne vais pas me priver d'eux, je ne vais pas perdre l'occasion d'eux. Vous avez compris? C'est comme Chas V'Shalom, un décès. Bon, on aime ceux qui ont disparu. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les voir. C'est vrai ou pas? Alors on est en peine, on pleure. Bon, mais en vérité, intellectuellement, il y a un cycle dans la vie. On sait bien que c'est comme ça. Donc les sœurs qui sont vives, elles vont partir, on le sait, intellectuellement. À part ça, à votre avis, il valait mieux qu'elle reste là ou qu'elle monte au Gan Eden? Gan Eden. Donc intellectuellement, elle est mieux là-bas. Et pourtant, je pleure et j'ai de la peine et j'ai machin. Pourquoi? C'est le corps. Parce que le corps, il ressent le fait de pouvoir les prendre dans ses bras, de voir la personne. Il faut répondre à ce problème corporel. Le deuil, c'est un problème corporel. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme si on voulait nous habituer à quoi, à votre avis?
au spirituel et non pas au matériel. Qu'ils soient réalistes. Parce que là, finalement, mais pourquoi souffrir du manque de la personne? Pourquoi faire? Parce qu'on l'aime. Mais pourquoi faire? Savoir qu'il y a une fin à tout. Non. Peut-être qu'écoutez-moi bien. Si tu sais aimer ce que tu ne vois pas, peut-être que tu vas aimer ce que tu ne vois pas. Tu as compris ça ou pas? Ah, peut-être, non? Tu vas t'habituer à vivre, à aimer ce que tu ne vois pas, ce que tu ne vois plus. Et bien, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu pouvais calquer simplement cette idée-là en disant, mais tu vois bien que tu peux aimer ce que tu ne vois pas. Mais Hachem, tu ne l'as jamais vu de ta vie. Comment tu vas réussir à l'aimer? Tu vas essayer de l'aimer comme tu as aimé la personne sans pouvoir la voir. Vous avez compris ça? Mais non, c'est très intéressant que... Mais ça, c'est construire des gens, ça. Construire, ça veut dire ressentir, c'est ça. Il est marqué, Aoler ve'ose chassid. Celui qui va et qui fait, pas qui fait, parce qu'il y va, mais celui qui va et qui fait, alors il est chassid. Chassid, ça veut dire, ben, il a fait ce qu'il a pensé faire. Il est cohérent avec lui-même. Maintenant, il a étudié la Torah, almenat l'asot. J'étudie parce que je veux devenir ce juif de la Torah. Ça va? Je veux devenir cette femme juive de la Torah. Voilà. Je ne veux pas savoir que je le suis. Parce que vous l'êtes de toute façon, bah, au Hachem, votre maman elle est juive, donc vous êtes juive. Et le but c'est d'être juive ou de devenir. Et c'est ça l'enjeu. Je ne veux pas être juive parce que je le suis. Bah, j'ai pas besoin de dire ce que je suis déjà. Par contre, de devenir c'est plus compliqué. Il y a des tserarai, et puis c'est pas simple de faire les misvotes et tout. Alors on voudrait que tu le deviennes. Donc celui qui va et qui fait, alors il est chassid. Chassid ça veut dire il s'est fait du chesed. C'est quoi chassid? Hein? C'est ça, il s'est fait du chesed. On lui a fait du chesed et il s'est fait du chesed. J'ai demandé de l'aide d'Hachem, il m'a fait du chesed, il m'a donné cette capacité. Et j'ai réussi à devenir ça, je me suis fait du chesed. Voilà. Maintenant, l'oholer velohose, quelqu'un qui va ni là-bas et qui ne pratique rien, racha. D'accord? C'est quoi la différence entre le chassid et le racha? Chassid, c'était qui chassid? C'était Abraham. Le chesed. D'accord? Maintenant, écoutez-moi bien. La lecture de la Torah devrait nous permettre de devenir chassid. C'est quoi chassid? Hein? La bonté. Oui, je sais en français, bon, Hachem, mais je veux dire que... c'est quoi la bonté? On va dire autrement. Voilà. Ça veut dire quoi de chassid? Donner sans... Devenir bon gratuitement. Devenir bon. Peut-être l'idée, c'est la suivante. Écoutez bien. Le rachat, il n'a de regard que sur... Soi-même. On va dire comme ça. Il y a marqué dans les Pirkei Avot, il y a des midot qu'on doit avoir, des qualités humaines qu'on doit avoir. D'accord? Celui qui dit... Shelcha, shelcha, sheli, shelcha. Ce qui est à toi reste à toi, et ce qui est à moi je te le donne. C'est. Je répète. Ce qui est à toi, et ce qui est à moi je te le donne. Ça c'est le chassid. Celui qui dit ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi reste à moi. Racha. Ouais. C'est pour ça qu'on lit la paracha. Ouais, qu'est-ce que vous croyez? Mais non. Et Benoni, c'est quoi Benoni? Benoni, ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. C'est Mida Benonit, c'est-à-dire on est dans la moyenne. Yeshomrim, dit le Pirkei Avot, que c'est Mida Tzdom. C'est pas Racha, c'est Tzdom. C'est quoi Tzdom? C'est Tzdom. Pourquoi c'est Tzdom? Parce que si tu as, tant mieux, mais si t'as pas. Bah tant pis. Ben oui, c'est comme ça. Si tu as, tant mieux, mais si t'as pas, ne me demande rien. Oublie-moi, je suis pas là. C'est ça, Benoni. Vous avez compris? Ça veut dire que le type, il est partagé en deux. Il y a toi et moi, mais il faut pas se mélanger. Ne mélangeons pas tout. Comment? Non, mais vous avez compris, quoi? C'est ça, c'est d'homme. C'est-à-dire que d'être égoïste au point, pas de dire que ce qui t'appartient, je le prends et je te fais disparaître. Parce que... Ouais, mais c'est grave. Parce que ça veut dire que la Torah, elle est là pour quoi faire, madame? Pour nous faire sentir que les manques, ils sont là. Attendez, je vous explique un truc. Est-ce que nous, on doit avoir du bitachon? Je dis, voilà, je fais mes mitzvot, je fais ma Torah, je fais machin. Et après, je dis, mais comment tu vas faire pour survivre? Je dis, Hachem, il pourvoira. J'ai bitachon d'Hachem, je vais consacrer tant de temps dans mon travail et tant de temps dans ma vodat Hachem. Ça, c'est moi. Est-ce que je peux dire à un pauvre, écoute, je suis désolé, bitachon? Bah écoute, qu'est-ce que tu fous là? Tu me tends la main. Mais vite, t'as d'Hachem. Est-ce que ce que je considère comme étant une mitzvah pour moi devient la mitzvah de l'autre? Pourquoi? Mais dites-lui, mais qu'est-ce que t'as pas honte de tendre la main? Vite, t'as d'Hachem, t'as pas honte? Et quoi, je suis à la route de secours ici ou quoi? Mais arrête de tendre la main, va travailler, va faire quelque chose. Oui, j'ai le droit de lui dire ou pas? À sourd de lui dire.
Pourquoi c'est un sourd? Ce qui est une mitzvah pour toi devient la mitzvah, la vera de le dire aux autres. Ce qui est une mitzvah pour toi devient la vera de le dire aux autres. Pourquoi ça devient une vera? Parce que, écoute-moi bien, tu sais pourquoi il est pauvre aussi? Pour que tu deviennes un Baal Chesed. Ça veut dire que tu vois des manques dans le monde, là. Il manque des choses, ouais. Ta mitzvah, c'est de remplir les vides. Comme avec tes enfants. Tu dis pas Shelcha, Shelcha, Sheli, Sheli. Débrouille-toi. Mais je sais pas cuisiner. Débrouille-toi. Shelcha, Shelcha, Sheli, Sheli. Ça existe pas. Mais papa, comment on va à l'école? Shelcha, Shelcha, Sheli, Sheli. Tu prends ton vélo et tu... Mais j'ai 3 ans. Va faire du vélo. C'est pas possible, vous avez compris ou pas? Vous avez compris? On est dans le partage, évidemment. Ça veut dire qu'on est là pour quoi faire? Mais en tant que femme, on est là pour remplir les vides, c'est vrai? On est là pour combler ce qui manque. Mais c'est ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la mitzvah, c'est de devenir Baal Chesed. C'est de devenir Chesed. Comme Hachem, il est Chesed, on est Chesed. Ça veut dire que si vous voulez qu'on retrouve Hachem un jour, il faut qu'un jour on lui ressemble. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il crée des situations, des circonstances, des situations, ouais, à nous inviter à devenir. Alors comment ça? Ben, il a mis des pauvres, il a mis des gens qui sont... Plutôt que de s'énerver contre ceux qui ne comprennent rien, plutôt que de dire, mais encore une fois, mais arrête de me demander de l'argent, j'en ai marre. Hein. Mais je dis, mais est-ce qu'on va devenir pauvre en faisant de la Sedaka? Non. Non. Mais c'est ça le problème. Mais nous, on croit qu'on a perdu encore un euro. Et on a perdu encore, on a fait le maaser, on a retiré 10% de son salaire. Bon, elle est bonne, celle-là. Il y a marqué, si tu mets aser, mit asher. Tu prends le mets aser, tu vas t'enrichir. Mais j'ai pas compris, mais j'ai perdu là-haut. Vous rigolez ou quoi? J'ai pris 10% de mon salaire, j'ai perdu de l'argent ou quoi? Non. Tu es devenu un Baal Chesed. Écoutez-moi bien. Hachem, il cherche des gens qui vont pouvoir faire ce que lui devrait faire. C'est à lui de nourrir les pauvres, c'est pas à moi de nourrir les pauvres. Il dit, mais si tu peux le faire à ma place, fais-le. Et tu auras le salaire d'avoir fait ce que j'aurais dû faire. Tu deviens le vecteur d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment? Parce que tu t'es associé dans ton salaire. Alors tu deviens l'associé, comme ça dit le Rav Esraïm. Alors si tu l'associes, il y a des comptes là-haut, il n'y a pas de limite. D'accord? Mais la limite, en vérité, c'est ta faculté à faire du chesed. Si tu penses qu'il ne faut pas trop se... On est frileux, on a perdu dans le monde, on dit, bon, bah, écoute, combien tu veux 10 euros? Allez, tiens, prends 10 euros. Mais si tu dis, mais non, mais moi, je veux aider les gens, j'ai une empathie extraordinaire vis-à-vis des autres, etc. Vous avez compris? On a un cœur. Et ce cœur-là, il doit être sensible. Cette sensibilité, pas au service de soi. Je suis le rachat, il est sensible pour lui-même. Il dit, mais ce que t'as, mais ça me touche. Tiens, donne. Vous avez compris? Et tu partages? Mais rien du tout. Parce que je suis sensible à mes besoins personnels. Ça, c'est le rachat. C'est-à-dire que son corps, il a beaucoup plus d'emprise que son cerveau lui demande d'être. C'est-à-dire, Maneshama, elle me dit, mais tu n'as pas honte de le laisser comme ça. Et mon corps, il me dit, mais attends, mais tu peux, comment je vais faire demain? Et la proportion corporelle, elle peut être plus forte que... Le rachat, c'est qu'il a mis la proportion plus du côté de son corps que du côté de sa neshama. Plus du côté de ce qu'il pourrait faire, plutôt que du côté de ce qu'il a à perdre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça l'enjeu. Toute la vie, elle est faite de ça. Quand j'hésite dans ma vie, c'est parce que mon corps, il me dit de ne pas trop se forcer. Ouais, j'ai ma petite zone de confort. Moi, je fais mieux, je me porte. Ça va? Et ma tête, elle me dit, mais quand est-ce qu'elle démarre ta vie? Ça va? Vous avez compris ou pas? Et donc, qu'est-ce que j'écoute? Alors, j'étudie la Torah hein, pour savoir que si tu ne te déplaces pas, si tu ne fais pas, au moins, tu ne prends pas sur toi, tu ne fais pas l'effort d'eux, ouais, c'est qu'en vérité, c'est un révélateur. C'est qu'en vérité, tu es plus côté corporel que côté neshama. Vous avez compris? Les deux sont importants. Pourquoi ces deux sont importants? Il y a Yegvar dans Sanhedrin qui dit comme ça. Quand quelqu'un disparaît, ouais, il part au Gan Eden, Hachem, il juge le corps et il juge la neshama. Ah oui, le corps et la neshama. Et là-bas, hein, pourquoi les deux? Bizarrement, l'Agmara dit, parce que le corps, il dit, bah, moi, sans ma neshama, je bouge pas, hein. Vous avez vu? Je suis un morceau de bois inerte. Donc, qui est-ce qui a fauté? Bah, c'est ma neshama qui m'a donné l'énergie, donc allez la voir, elle. Ça va, laissez-moi tranquille. La neshama, elle dit, je suis désolé, mais moi, sans corps, je peux pas bouger non plus. Hein. D'accord? Donc, laissez-moi tranquille. Là-bas, l'Agmara, elle donne un machal. Elle dit, voilà, il y avait un roi, il avait un grand verger. Il y avait des fruits, etc., etc. Il a mis deux gardiens. Pourquoi deux gardiens? Parce qu'il a dit, j'ai même peur que mes gardiens me volent mes fruits. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis un aveugle et j'ai mis un handicapé sur sa chaise roulante. Donc un, il voit rien, c'est un ivoirien, et l'autre, c'est un africain. Non, et l'autre, un ivoirien, et l'autre, c'est un handicapé, il bouge pas. Bon, moi, je suis sûr que... Vous les jettez, c'est mieux. Hein? Combien il va manger de fruits?
Je sais pas. En tout cas, c'est comme ça. Il a eu peur de. Il a eu peur. Mais non, il a eu peur. Donc il a dit, je vais prendre des gens qui au moins ils sont handicapés. Voilà, l'autre il voit rien, l'autre il peut pas bouger. Et moi, je suis sûr que personne va voler. Et ils sont les gardiens. Ok. Maintenant, il revient, il voit qu'il n'y avait plus de fruits sur les arbres. Il dit, j'ai pas compris. Mais vous avez fait quoi? Il dit, nous, on n'a rien fait. Il avait le ventre comme ça. Je vous assure, on n'a rien fait. Il a dit, mais c'est pas possible. Et tout était fermé, il n'y avait personne, il n'y avait que vous. En fait, j'ai compris. Celui qui ne voyait rien, hein, il a dit, moi, je peux marcher. Mais toi, tu peux pas marcher, mais tu vois. Alors viens, monte sur mes épaules. Et comme ça, on va manger des fruits. Ça va? C'est-à-dire, toi, tu vois, mais tu peux pas marcher. Bon, je vais te porter. Moi, je vois pas. Donc, tu vas me guider. La neshama et le corps. En fait, on se rend compte qu'ils sont complémentaires. Il n'y a pas d'excuse, en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais pourquoi ça marche comme ça? Parce que le corps a des besoins corporels. Vous avez envie de... Ça va? Et c'est cette pulsion, en fait, qui va faire que... Votre cerveau, il va vouloir ne pas vous trahir. Votre cerveau, il va vouloir ne pas vous faire souffrance. Mais j'ai envie. Bon, tu as envie, ok. Comme tu as envie de manger. Bah, ton corps, il a, vous avez des gros goûts dans l'estomac. Bon, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous devrez frigidaire. Mais c'est qui vous a dit qu'il y avait dans le frigidaire à manger? Bah, votre cerveau, il a l'information, il va dire, j'ai trouvé la solution. Hazak Baruch. Voilà, ouvre le frigidaire. J'ai froid, je suis transi comme ça. Bah, mets un pull. Votre cerveau, il dit, bah, mets un pull, ok. J'ai chaud, bah, allume la clim, ah, d'accord. Votre cerveau, il comprend vos besoins corporels, il répond à vos besoins. Mais des fois, les besoins, ils sont assourimes. Ils sont interdits. Alors, je dis, mais moi, j'ai toujours été habitué à ce que mon cerveau, il réalise mes besoins corporels. Je dis, des fois, il faut dire non. Mais ouais, mais je peux pas, je veux pas me trahir, vous avez compris, je veux pas non plus me mettre en souffrance, parce que mon corps, il a envie. Qu'est-ce qu'il souffre? Manishama dit, mais je peux pas le retenir, c'est un cheval au galop, il est un cheval sauvage, j'arrive pas à le retenir. Donc qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, toi qui es intelligente, il faut déjà que tu trouves, que tu comprennes, tu réfléchisses à ton désir, parce que c'est vous deux qui allez perdre. Parce que quand le roi il verra qu'il n'y a plus de fruits là-bas, c'est vous deux qui serez condamnés. Alors je dis, tu veux qu'on soit condamnés tous les deux? Je me parle à moi-même et je parle à mon corps. Et je lui dis, écoute, on va perdre. Je vais dire, Ezou Chacham. Qui c'est qui est Chacham? Alomé du Kalam, Aroé Tanolad. Tu dis, on va gagner là. Tu vois, on a bien mangé, hein. On était content, on a bien mangé. Mais on va aller en prison demain. Tu as envie d'aller en prison? Pour des fruits, tu es en prison, toi. Ça va? C'est le roi en plus, c'est pas n'importe, c'est le roi. Tu vas faire une avéra, mais c'est le roi du monde qui t'a dit qui espère que tu vas réussir ta vie. C'est le roi du monde qui espère que tu vas pas faire cette bêtise et que tu vas te perdre dedans. Alors tu dis à ton gouffre, tu veux qu'on fasse quoi? Ouais. Tu crois que sur le court terme on va gagner, hein, mais sur le long terme on va gagner ou pas? On va perdre tous les deux. Alors laisse tomber. Donc j'ai le droit de réfléchir à ce que mon corps ressent et ce qu'il désire. Est-ce que c'est russe ou c'est vrai? Mais comment je vais savoir ce qui est bien et ce qui est pas bien? La Torah. Il faut dire à votre Yetzirah, un jour on t'aura. Un jour on t'aura. On t'aura chez Birtav et on t'aura chez Balpé, les deux. On t'aura. Ça veut dire qu'il faut être clair, c'est ça que je vous explique. Il faut dire un jour on t'aura. Et donc j'étudie parce que j'ai la cohérence, j'ai l'éclairage, et je me dis, mais où tu vas là? Qu'est-ce que tu fais? J'ai même honte d'avoir pensé des fois. J'ai même honte d'avoir agi parce que je me dis, mais c'est n'importe quoi. La tzniut, c'est d'avoir honte de ce que je fais. La honte d'avoir pensé, d'avoir mal pensé, d'avoir... C'est ça là. Et donc je me dis, mais ça va pas, c'est pas ça qu'il faut faire. Et donc je suis capable non pas de réaliser ce que je désire, forcément, des fois c'est nécessaire, c'est obligatoire. Il faut être cohérente, il faut être saine d'esprit, il y a des gens, ils s'occupent pas de leur santé. Ça va? Et après ils se demandent à 60 ans qu'est-ce qu'ils ont des problèmes. Mais on t'a dit, mais fais un peu de sport, déplace-toi, fais des marches, un peu de marche. Je dis, mais j'ai autre chose à faire, laisse-moi tranquille. Et après je me rends compte que ne m'occupant pas de mon corps aussi, c'est moi qui vais perdre. Parce que j'ai dit, non, j'ai autre chose à faire, je ne veux pas m'occuper de ça. Non. Eh bien, sache que c'est important que tu sois en bonne santé aussi. Donc, ton cerveau, il dit, non, j'écoute mon corps, tu dois écouter les limites. Tu dis, je travaille comme une folle, machin, il y a des gens qui arrivent à avoir des déprimes. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas écouté mon corps. J'étais trop loin. Ouais, j'ai déprimé, ça va? Mais non, mais ça va. Ton cerveau, il dit, bah, où tu vas? Mais oui, mais tu avais tellement envie, je ne pouvais pas te retenir, tu avais envie. Mais non, il faut savoir te calmer. C'est un peu comme Moshe Rabbeinu. Il est tout seul. Assis sur son siège, les gens sont debout du matin au soir pour poser des questions. Bon, il dit de toute façon, Hachem m'a demandé d'enseigner la Torah, ben j'enseigne la Torah.
Mais j'ai pas compris, mais tu te rends compte, ils sont debout du matin au soir, les gens ils attendent. Ils ont des questions, les gens, mais il faut 10 heures pour avoir la réponse. Mais ils n'ont plus de questions. Ah, j'ai plus de questions. Ça, tu dis ça, j'ai plus de questions. Non, ils n'avolent, ils votent, toi tu vas t'user la santé. Et les gens qui t'attendent, ils vont aussi s'user la santé à devoir t'attendre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Ben écoute, on va dispatcher, on va déléguer des gens. On va prendre 78 600 Dayanim qui vont répondre à des questions. Un, tu vas pas t'user la santé. Deux, il n'y aura pas les queues. Et les gens, ils auront plaisir à revenir. C'est vrai ou pas? Ça veut dire qu'en fait, le problème, c'est que Navol Tivol. Navol en hébreu, ça veut dire se flétrir. Tu vas flétrir. Ça veut dire que si tu ne t'occupes pas de ton corps, tu vas flétrir. Et c'est dommage qu'à l'âge où tu as, tu deviens intéressante, c'est là que tu ne peux plus bouger. Pas normal. Quand elle est jeune fille, elle n'a rien dans le cerveau, mais toute vive. Hein, voilà. Et quand on est vieux et qu'on a de quoi dire et de quoi raconter, on n'a plus le corps pour pouvoir le faire. Alors entretiens-toi. C'est-à-dire que ton corps, tu dois aussi entretenir ton corps. Fais attention à toi, à ta santé, ça va? Et sois pas idiote de croire que tout va se passer comme ça. Non, il faut consulter, il faut machin. Écoute ton cerveau, écoute. Oui, parce qu'il faut faire attention à les deux, parce que les deux sont vrais. Il y a un discours qui est un discours corporel, un discours intellectuel. Mais les deux sont vrais, on est incrusté là, on peut pas se dissocier. Alors c'est ça, il faut faire attention aux deux. Mais il faut savoir d'où vient la question. Quand on dit Manochal Bachan Shivit, qu'est-ce qu'on va manger cette année? C'est pas Taneshama qui te la pose la question, c'est qui? C'est ton corps. Et il faut savoir répondre. Vous avez compris? Chazak, Obaruch, mesdames. Chazak, Obaruch.